Ah, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, bienvenue, tout ça. Bonsoir, allô. Comment va bien? Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison. Je vous donnerai l'énigme qui est une charade d'ici quelques secondes. Pour l'instant, je voudrais que vous regardiez ces images qui sont les images de la collection de Lolita Lempicka d'hiver 93-94. Donc une mode que l'on peut apprécier. Hein, c'est, nous sommes d'accord, c'est donc l'hiver 93-94, donc c'est pile évidemment le moment. Et cette ravissante jeune femme s'appelle, mesdames, messieurs, Laurence. La voici. Mesdames, messieurs, Laurence, un accueil extrêmement chaleureux. Bonjour. Vous vous recevoir. Bah oui, vous m'avez fait une surprise. Là. Ah bon? C'est vrai? Vous les avez pas vus? Tenez bien le micro dans votre bouche. Là, vous les avez vus maintenant. Ah ben maintenant, j'ai vu de près. Voilà. Je ne les avais jamais vus avant. Laurence, on va parler d'un peu de vous, de votre métier, de votre actualité d'ici quelques secondes. L'actualité qui vient de passer, en fait, parce que les défilés de haute couture sont clos. Haute couture, ouais, hein, absolument. Voilà, mais on va aller s'installer. Nous allons rejoindre deux jeunes gens qui nous attendent avec impatience, qui sont de sombre et de blanc vêtus. Mais à messieurs, Pierre Belmar, Patrice Carmoz. Comment ça va, Patrice? Ça va. Vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro, Laurence, ici. Vous appelez Laurence? Absolument. N'est-ce pas? Et vous êtes belge, n'est-ce pas? Oui. Et vous n'avez pas du tout le... Ah bah c'est ça revient... Bon, c'est une question d'opportunité. Absolument, ouais. Ah. Au téléphone avec les parents, par exemple. Ah oui, très bien, oui. Pardon? Où est-ce famille. Que vous... Votre famille, où est-elle en Belgique? Bah, pour le moment, elle est à Saint-Maurice, mais elle n'est pas au courant que je suis ici. Mais Vous pouvez faire coucou quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais, bonjour maman, bonjour. Laurent, je me permets de vous présenter, enfin Pierre, Laurent, je vous permets de me présenter Pierre Belmar et Patrice Carmoz qui est ici. Bonjour tout le monde. Voilà. Et on va faire l'énigme après. Et on va faire l'énigme, oh non, pas après, tout de suite. Immédiatement. Immédiatement. Patrice, vous allez m'aider s'il vous plaît, car oui. Vous avez probablement vous l'affiche que je n'ai pas... Voilà, mon premier, allez. Écoutez bien Laurence, car il y a un filet garni, pas de temps. Et peut-être que vous allez pouvoir le remporter. Mon premier est un champion olympique de sabre. C'est une charade sportive. Hein. Donc c'est un champion olympique de sabre. Mon deuxième, et c'est un français, on peut le dire. Français. Mon deuxième est plus malin qu'on ne pourrait le penser. Et lui, il est champion de pong. Là, il y a une espèce de schmurt. C'est français d'ailleurs. Mon troisième est un champion français également de tennis. Mon quatrième... C'est sportif tout ça. Complet. Mon quatrième suit Marie pour courir le 100 mètres, mais en verlan. C'est facile. Oui. Mon quatrième suit Marie pour courir le 100 mètres en verlan. Mon cinquième est un petit homme vert qui garde des buts. Oui. Voilà. Et mon tout est une réponse en chanson extraite d'un opéra. Vous avez quelques minutes, bien évidemment, voire quelques dizaines de minutes pour trouver. Vous faites le 42, 48, 16, 16, le 36, 68, 50, 50. Et même éventuellement le 36, 15, TF1, rubrique coucou, grâce auquel vous pourrez peut-être parvenir à nous joindre. Et ensuite gagner le filet garni si vous avez la bonne réponse. Pour l'instant, Pierrot, vous êtes là tous les mercredis. Pour aider, je peux vous injurier une seconde? Non. Pour aider, là, non. Vous allez. Si, juste pour aider, comme ça. Crétin. Voilà, c'est tout, je n'ai pas dit autre chose. C'est tout, je dis ça, c'est tout, c'est pour aider. Non, c'est pour l'énigme. Hein. Est-ce qu'on vous a demandé d'aider? Non, mais... Alors. Vous m'avez fait une sorte de signe de tête, moi j'ai compris que vous étiez d'accord. Bon. Je ne suis pas sûr que vous étiez vraiment en disant ça. Mais... Non, non, en plus, non, pas forcément. Alors Pierre, en tout cas, est là chaque mercredi, Laurence, pour... rapprochez-vous un petit peu pour vous mettre vous bien en face du micro. Voilà. Je vous remercie bien, je vous remercie. Oui. Non, non, c'est non. Moi, je peux pas. Moi, je ne peux pas déplacer mon micro, hein. C'est injuste. Hein. C'est uniquement pour des problèmes techniques, mesdames, oui, messieurs, j'aimerais bien que vous en soyez conscients. Mais oui, Pierre vient dans mais chaque oui, mon cousin. Pierre, donc, vient chaque mercredi raconter des histoires. De quoi ça... Vous avez changé de monde? Crête, hein. Vous avez changé... Pardon, excusez-moi. Vous avez changé de montre? J'ai changé de montre. Vous avez changé de montre? Pas du tout. J'avais jamais vu une montre dorée comme ça sur vous. J'ai une montre comme ça. Ah bon. Alors, Pierre... très discrète parce que là, ma chemise est un peu courte ce soir. Alors nous vous écoutons, Pierre. Mais je vous en prie. Mais nous vous écoutons. Mais oui, je vais vous raconter une histoire. On avait dit pas sous, Pierre, si c'était possible. Ah, pas sous, Pierre. Pas sous, Pierre, ça c'est drôle. Alors, ça. Allez-y. Ah oui, ça c'est marrant. C'est vrai qu'il a une veste lit de vin, oui. C'est l'histoire d'Anselme. Elle se passe l'année dernière, en 1992. Anselme est né en 1914. Il avait l'année dernière 78 ans. Anselme est le solitaire du village. Ça se passe en Normandie. Il y a comme ça dans beaucoup de villages des gens qui vivent tout seuls. Vous savez, un peu l'écart des autres, ça existe dans beaucoup de villages. Des solitaires. Des solitaires. Et Anselme ne parle pas aux gens. Et pourtant, ce jour-là, il se dirige vers une grosse ferme, la ferme la plus importante du village, qui est loin de chez lui. Il marche, il va jusqu'à cette ferme. On est au mois de juin, il fait chaud. Combien de kilomètres? 7 ou 8.
Mais pour un homme de 78 ans, pardon, un peu sous, excusez-moi, c'est déjà difficile. Et sur le banc devant la ferme, il y a Félicien qui se réchauffe, c'est le fermier. Et quand Anselme est devant Félicien, il se met à genoux devant lui, il s'incline par deux fois, il se prosterne par deux fois, et il lui dit pardon, pardon. Désolé. Pas d'autres explications, et il s'en va. Et non, Félicien dit, Anselme est disjoncté complètement. Parce que lui, Félicien ne sait pas pourquoi Anselme fait ça. Il ne sait pas du tout. Il ne sait absolument pas. Si, il l'a vu, il connaît Anselme comme ça, mais enfin, c'est tout, il ne lui a jamais parlé, rien, il se demande. Bon. Le lendemain, Anselme fait encore un bon nombre de kilomètres et va dans une autre ferme. Là, il y a une femme qui s'appelle Charlotte. Il s'agenouille devant elle, s'incline deux fois, pardon, pardon, et il s'en va. Désolé. Le troisième jour, il va voir Cyprien, il fait la même chose, pardon, pardon. Et enfin, le dernier jour, il va voir Marie, il fait encore la même chose. C'est magnifique, en fait. Oui, en plus, Cyprien, Anselme. C'était quoi l'autre, le premier ? Là, bien sûr, on s'inquiète dans le village, c'était Félicien. On s'inquiète dans le village, on va voir le maire, on lui dit, écoutez, Anselme, il va vraiment pas bien, il nous semble très très malade, peut-être que l'asile le guette, allez le voir. Et l'asile le guette, c'est pas une contrepétrie. Non. Le maire va voir Anselme, et Anselme est vraiment dans un très mauvais état de santé. On sent qu'il se laisse mourir sur son lit. Alors, le maire lui dit, est-ce que vous voulez que j'appelle le médecin ? Anselme ne veut pas. Vous voulez que j'appelle le curé ? Non, non, je veux pas du curé. Vous voulez... Mais je ne sais pas, il pourrait vous tenir compagnie. Alors, finalement, il cède, le curé arrive. Il refuse la confession. Il refuse l'extrême-onction. Il veut simplement que le curé reste là, lui tienne la main. 24 heures se passent, puis 48 heures. Et le curé est toujours là ? Le curé est toujours là. Le curé a besoin de s'absenter. Il appelle... Le curé a besoin de s'absenter. Il appelle son enfant de cœur. Laurence a décroché, Pierre. Attendez deux secondes. Laurence, où est-ce que vous en étiez resté ? Non, mais il va mourir, là, pour accepter que le prêtre... Oui, Anselme va mourir. Oui, il est malade. Il est très malade. Il sait qu'il va mourir, il se laisse mourir. Il se laisse partir. Il se laisse partir. Il a décidé de mourir. Oui, absolument. Donc, 48 heures se passent, il n'est toujours pas mort. Alors, le curé a besoin de se libérer pour quelques heures. Il appelle son enfant de cœur, petit Louis, qui est un petit gamin de 10 ans. Il lui dit, est-ce que... Tu es capable de rester seul avec Anselme pendant deux heures. J'en ai que pour deux heures. Dans deux heures, je reviens. Le petit Louis dit d'accord. Il reste seul avec Anselme pendant deux heures. Le curé revient. Anselme, là, vraiment, est aux dernières extrémités. Il lui donne l'extrême onction. Anselme est inconscient et il meurt. Le médecin vient pour constater la mort. Et quand la mort est constatée, petit Louis va voir Félicien, puis Charlotte, puis Cyprien, puis Marie. Ah, il lui a dit quelque chose. En effet, Anselme a dit quelque chose. Et s'il l'a dit à petit Louis, c'est parce que petit Louis pourrait le répéter. Dans son innocence, alors que le curé n'aurait pas pu, puisqu'il aurait reçu cette confidence dans la confession. Bien sûr, donc Little Louis, peut-être, c'est quelque chose. Alors, Little Louis va voir Félicien et lui dit, celui qui a brûlé votre ferme en 1935, c'était Anselme. Il va voir Charlotte, il lui dit, celui qui a brûlé votre ferme en 1941, c'était Anselme. Il va voir Cyprien, il lui dit, celui qui a brûlé votre ferme en 1948, c'était Anselme. Il va voir Marie, celui qui a brûlé votre ferme en 1954, c'était Anselme. Car tous ces gens ont eu leur ferme brûlée. Par eux, par un pyromane. Et le pyromane, c'était Anselme qui n'avait jamais été découvert par les gendarmes. Et il avait donné comme message, maintenant je meurs de honte, je meurs, car je ne peux plus vivre avec ce péché qui me pèse sur l'âme. Et maintenant, je vous autorise, bien sûr, pour vous venger, à brûler ma maison. Oh. Mais ni Félicien, ni Charlotte, ni Cyprien n'ont voulu brûler la maison d'Anselme. Ils ont préféré qu'il brûle dans les flammes de l'enfer. Voilà. Oh, mais c'est une histoire vraie, ça ? Absolument. Où était-ce ? En Normandie. En Normandie. Oui. Quand était-ce ? L'année dernière. L'année dernière ? Oui. Vous devriez faire un livre. Oui. Je croyais que c'était un roman. Vous connaissez des histoires de ce type en Belgique ? Des histoires comme ça ? Non, mais sûrement, il doit y en avoir. Hein. Vous êtes de la ville ou de la campagne ? Oui, de Bruxelles. Ah, de Bruxelles-Ville. Mmh. Vous êtes né en ville ? Oui. Ah, donc vous êtes une citadine. Bruxelloise plutôt que belge, alors. Bruxelloise. Ouais. Ah, vous êtes venu en famille. Il y a un accent très précis de l'accent bruxellois. Pierre Belmar a-t-il eu des nouvelles du pigeon en Belgique ? Il devait nous tenir au courant, c'est exact, José. Alors, c'est pas en Belgique, c'est en Suède. Par contre, c'était en Suède. Bravo, ouais. Excellente mémoire. Excellente mémoire. Et là ? Non, il ne s'est rien passé depuis. Rien de nouveau. No news. Aucune nouvelle. Okay. Rien. On envoie la pub, garçons et filles, immédiatement. Non, on se retrouve avec... le problème. Vite, le problème. Chaque mercredi, Laurence, nous essayons de répondre à un problème d'un garçon ou d'une jeune fille qui est à l'école, à qui on pose un problème et qui n'arrive pas à le résoudre. Nous avons quelqu'un en ligne. De qui s'agit-il ? Bonjour. Oui. Quel est votre prénom ? Nicolas. Thomas. Thomas. Quel âge as-tu ? 11 ans. 11 ans, Thomas. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Thomas ? J'ai un problème que j'arrive pas à résoudre. Un problème de ?
C'est la bonne adresse. De mathématiques. De mathématiques, tu as tapé au bon endroit car ici nous sommes spécialistes. Là, on est très très fort. Laurence, et Laurence particulièrement. Ouais. Alors, elle est toujours très forte. Très bien. Nicolas. Thomas, c'est ça. Bah, pose-nous ton problème. Marcel. On veut partager 219 bonbons entre plusieurs enfants. 219 bonbons, s'il vous plaît. Il va pas recommencer, hein, vous avez raison. Faut prendre note, là. 200. Patrice, 200. Je sais plus où j'en suis. 219. Si vous écrivez comme ça, bon, s'il y a plus de 3 lignes, vous êtes foutus. Hein. Il a l'habitude d'écrire pour les enfants, on voit bien d'ici. Oui, 219 petite, bonbons. Une très rose. 219 bonbons, on t'écoute, Thomas. Entre eux. Il manque 5 bonbons pour pouvoir en donner exactement 4 à chacun. Et il y a combien d'enfants? Ah ben ça, c'est justement question. La question. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il en manque 5 pour en donner exactement 4. Pour donner 4 enfants à chacun? Non, pour qu'il y ait 4 bonbons à chaque enfant. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il en manque 5 pour qu'ils en aient 4 chacun. On va réfléchir avec Laurence qui va immédiatement nous aiguiller et on va se retrouver juste après la pub, simplement juste avant Thomas, tu ne bouges pas, car je voulais vous dire, et vous allez voir immédiatement un numéro, si vous voulez participer dans le public à Faut pas pousser ou Combien ça coûte, qui sont des émissions qui se passent à peu près dans le coin, vous téléphonez du lundi au vendredi de 11h à 15h au 42 021, téléphone est mûr. Regardez, 42 20 52 05 42 20. 5205, à tout de suite, merci beaucoup. On se retrouve avec Thomas, Le Problème, Patrice, Pierre et Laurence. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec la ravissante Laurence qui est avec nous, qui a bien réfléchi au problème. Laurence, Patrice est resté au tableau. Et je pense, Thomas... Ah, nous avons une petite indication. Laurence, vous êtes si... Regardez, regardez le message, Laurence. Vous êtes si belge, je suis un amoureux de la Belgique et des Belges, etc. Ludovic, gentil. Hein? Thomas, tu es toujours là? Thomas, tu es toujours là? Oui. Ah. Oui, monsieur. Je plaisante, Thomas. Alors, Thomas, on a beaucoup réfléchi. Laurent, je pense que vous avez une solution à donner au petit Thomas. Oui, c'est... il faut rajouter 5 à 219. Oh, non, expliquez, parce que Thomas, il faut bien lui donner... Le problème, c'était... Il y a 219 bouts. Bonbons. Enfin, c'est pareil. Bonbons. C'est des bonbons. On rajoute 5 bonbons. On divise regardez par la 4, caméra. Dites-le à Thomas, là, sur A3. Là, on divise par 4. Et on a le nombre d'enfants. On a le nombre d'enfants. Voilà. Voilà, Thomas, 19 bonbons, 5. Ça fait 224. Parce qu'il manque 5 bonbons, c'est ça? Ouais. Parce qu'il en manque 5 pour qu'ils en aient chacun 4. Voilà, Thomas, comme il en manque 5, tu les rajoutes. Oui. Tu divises par 4. Et ça fait 56, c'est ça? Je sais pas, moi. Voilà. Ouais. C'est ça? Oui, 56. Ils sont 56 enfants. Voilà, Thomas. Oui. Ça, c'est de notre niveau. Hein. Ça va, là. Ça va bien. Thomas. Au-delà, ça commence... Ouais, en quelle classe es-tu, Thomas? Thomas. En CM2. En CM2. CM2. Donc, pour l'instant, nous, CM2, on assure. Voilà, ça va. C'est clair. Deuxième trimestre. Hein. Ouais. Donc, voilà, si vous êtes comme Thomas, que vous avez un petit souci, un petit problème, évidemment, vous nous écrivez ou vous faites le 3615 TF1 rubrique coucou et nous essaierons de répondre à votre... problème. Pour l'instant, le jeu Minitel, j'ai une petite annonce à faire, Patrice, vous allez probablement m'aider. Oui, parce qu'on peut gagner un séjour pour deux personnes à la Jamaïque. Un séjour pour deux personnes à la Jamaïque, vous partirez avec Moving, vous séjournerez dans une villa de luxe avec piscine privée et personnel de maison au Resort Siboney, comprenant les activités sportives illimitées, les repas servis au restaurant ou dans l'intimité par un majordome sur votre terrasse, ainsi que toute boisson à volonté. Vous faites le 3615, code TF1, rubrique coucou, il y a un jeu, et si vous gagnez, vous partez une semaine pour deux à la Jamaïque. Vous connaissez la Jamaïque? Très mal. Bah vous allez pouvoir jouer avec le 36-15 téléphone, rubrique coucou, alors bien sûr. C'est très beau. Ça y est, je suis partie. En plus, j'ai la solution, je vais peut-être vous la donner. Hein. On verra ça. Mais la dame qui est à côté de moi, Baptiste. La dame qui est à côté de moi est un écrivain qui est Marie-Hélène Corbin. Enchantée, Marie-Hélène. Bonjour, Christophe. Qui a écrit un roman qui s'appelle Un printemps acide, chez Robert Laffont. Chez Robert Laffont. Mais ce n'est pas exactement pour ce roman qu'elle vient, mais pour une étude américaine à laquelle elle a participé. Oui, mais enfin, je tiens à dire qu'il y a quand même un lien entre les deux. Il y a un lien, oui. Oui, parce que là, je parle de l'amour entre des personnes humaines et là, je. Tout naturellement, je défie sur l'amour chez les animaux. C'est ça. Tout naturellement, bien entendu. Non, c'est un ex... Vous avez compris. L'histoire naturelle de l'amour, c'est Robert Laffont aussi, qui est un livre américain hein, à l'origine, mais vous avez participé à sa traduction, et c'est vrai que votre livre, c'est pas une adaptation, mais c'est vrai que c'est sur le plan des hommes un peu la même chose. Bien sûr. Oui, puis j'ai toujours élevé aussi des animaux, des chenilles, des papillons. Des chenilles et des papillons. Oui, oui, et des crevettes, enfin des choses comme ça. Vous avez élevé des crevettes. Oui, en milieu naturel, je reproduisais ça. Et, oui. Voilà, et là, j'ai des inséparables, quelques-uns. Et je les ai apportés parce qu'ils ne supportent pas de se séparer. Alors, si je prends la femelle, si elle veut bien se laisser faire, elle va se laisser faire. Ce sont des perruches, n'est-ce pas? Non, ce qu'on appelle des inséparables, c'est ce qu'on appelle des petits perruches perroquets. Des petites perruches perroquets. Si on les sépare. Alors, si je prends celui-là, il devient fou, il va immédiatement aux abois. Là, ça, c'est, vous avez dans la main, c'est quoi? C'est le mâle ou la femelle? Voilà, c'est la femelle. Il va immédiatement
On ne les voit pas très bien, là. Attendez, pourquoi on ne les met pas sur la table? On va le mettre sur la table. On ne les voit pas très bien, oui, je vous en prie. Marie-Hélène, c'est ça? Voilà. Alors, si je prends la femelle, si vous pouvez. La plus charmante, la plus petite. Elles sont jolies, remarque. Vous avez des oiseaux à la maison, non? Non. Vous avez très peur des oiseaux. Non, j'ai un chat. Vous avez peur des oiseaux? Oui, j'ai accroché au barreau. Oui, non. Elle est coquine, mais elle vient. Elle vient. Tac. Voilà. Cassez le bec. Non. Écoutez. Voilà. Non. Fermez la porte. Non, parce que justement, le mâle va venir immédiatement pour l'embrasser. Oh. Et respirer ce que Hélène Fischer appelle très joliment son bouquet aphrodisiaque. Car tous les animaux sécrètent des phéronomes animales. C'est-à-dire un bouquet naturel d'odeurs que nous avons, nous aussi, et qui vous permettent d'entrer en symbiose l'un avec l'autre. C'est ce qui se passe avec Patrice. Ah bon? Et vous? Moi, j'ai pas encore ressenti, mais ça va venir. Vous allez voir. Et cela dit, si on enlève la femelle du mâle, le mâle meurt ou la femelle meurt? Normalement, oui, mais celui-là est un peu coriace et il en est déjà à sa quatrième. Ah, c'est une femelle, c'est pas sa femelle. Oui, ben, c'est-à-dire que là, justement, c'est le sujet du livre qui est le sujet du couple chez Oui, car parlons un petit peu du sujet du livre. Alors, quelles sont les techniques de séduction, par exemple, chez les animaux, chère Marie-Hélène? Elle ressemble un petit peu aux techniques des humains. Oui, ça ressemble. Quelles sont-elles, par exemple, chère Marie-Hélène? Disons qu'on bombe et on met en valeur ce qui est important. Comme ça? Pas seulement ça. Certains animaux sont dotés de certains appendices. Mais que ce soit du plus petit au plus grand, que ce soit la libellule à l'éléphant, tout le monde cherche à faire valoir ce qui est le plus beau. Et là, je pense qu'il y a quelques images. Que nous allons voir immédiatement. Allons-y. Prêté par XL. Voilà, alors nous voyons immédiatement XL Concept Frédéric Lepage. La gorge est extraordinairement voluptueuse d'une frégate. C'est la frégate, nous voyons là, le frégate mâle, bien sûr, en train de s'agiter pour séduire grâce à ce qu'on appelle un regard copulateur. Elle a vu, bien sûr, l'objet de son désir. C'est tout naturellement. Oui, c'est difficile. Nous, on préfère pareil. Ça, vous allez en boîte, tout ça, si vous voulez, tout d'un coup, attirer l'attention. Vous mettez comme ça. Non, c'est surtout avec les bretelles. Pierre, Pierre a le regard copulateur. C'est des bretelles copulatrices. Pierre, il a le regard copulateur, même quand il ne fait pas ça. Oui, alors, vous avez ce qu'on appelle le regard copulateur. Vous avez ça après, si vous êtes doué d'un peu de parole, vous avez le discours de toilettage. Et puis, vous avez évidemment le bouquet aphrodisiaque. Sans parler du rythme. Alors, le rythme est très, très important. Si vous arrivez à croiser ou à décroiser les jambes de la même manière que votre partenaire, vous êtes assuré, je dirais, d'une entente intime. Expliquez-nous ça, pardon. Il s'agit de trouver ce que Hélène Fischer appelle un synchronisme interactionnel. Mm-hmm. Voilà. Et ça veut dire tout simplement qu'il suffit de trouver le tempo, la mesure. Mais où? Eh bien, avec des gestes tout naturellement, même quand vous entrez dans une salle, ou même quand un oiseau trouve vous quelqu'un. Pas, je vous montrer comment ça se des passe. Animaux, des hommes, vous prenez un verre et l'autre le prend en même temps. Vous croisez la jambe et l'autre le fait en même temps. On va faire un essai rapide pour qu'on comprenne vraiment. Pardonnez-moi. Mais là, par exemple, vous faites ça. Pardonnez-moi, je fais aussi ça. D'accord. Voilà. Et si je fais ça, si je fais ça. Non, mais là les anatomies sont différentes. Et si je fais comme ça. Non. Je plaisante. Non, mais il y a moyen de s'entendre. D'accord, donc par des simples gestes. Voilà. Et l'important, c'est de trouver un rythme. Le rythme lui-même est précurseur d'une entente. Ça, c'est vrai chez les animaux ou chez les hommes? C'est pareil, Patrice, on vous dit, c'est pareil. C'est ce que dit le livre. C'est ce que dit Marie-Hélène. C'est ce que dit Marie-Hélène. Chez les deux. Non, ce qui est important, c'est le couple. On verra que toute la stratégie du couple chez les animaux est fondée sur ce qu'on appelle quelque chose de mixte, qui s'appelle une monogamie matinée d'adultère. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux peuvent avoir une femelle, une régulière, si je puis dire, et en même temps, s'accorder quelques chemins déviants. C'est ce qui se passe souvent, malheureusement. Voilà, j'osais pas le dire. Et c'est accepté de manière générale, à part le cas des gorilles, par exemple, qui ont fondé les harems. Et plutôt mâle-femelle? C'est plutôt le mâle avec plusieurs femelles ou ça dépend? C'est plutôt le mâle avec plusieurs femelles. Ça s'appelle à ce moment-là la polyandrie. Oui, c'est le mâle qui fait toujours les parades, c'est lui qui a la frégate. En plus, c'est lui qui recrute, c'est le grand recruteur. Ouais, c'est lui qui choisit, en fait. Voilà. C'est lui qui bosse. Ah, moi, depuis une demi-heure, je vois Christophe faire une parade terrible, moi, ça. C'est vous que vous en rendez pas compte, vous faites une parade énorme depuis une demi-heure. Depuis le début de l'émission. Ah non. Ah ben non, ça se traduit pas comme ça. Chez vous, c'est pas comme ça. Ben vous me direz c'est dans une sorte de brillance dans les yeux. C'est ça, vous me direz comment c'est chez moi. Bien sûr, Pierre. Alors, vous voulez qu'on regarde les images de l'ours? Mais vous avez un pins. Bien sûr. Et alors, j'ai pas le droit d'avoir un pins. Vous avez un pins. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça donne? C'est la première fois que je vous vois avec un pins. Ah bah oui, mais j'affiche mes convictions. Qu'est-ce que c'est que ce pins? C'est écrit dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Bonjour dimanche. Vous rêvez que c'est une association de solitaires
qui se retrouvent le dimanche. Oh. Garçon-fille mélangé. Oh là, jeune, vieux. Ah ouais, c'est un truc d'amitié. Absolument. Crac, 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 crac. Oh non, non, vraiment, non. Tout de suite la déviation. Pourquoi? C'est que je vois sans vous voyant. C'est une énorme majorité de solitaires en France. Bien sûr. On va regarder deux membres de l'association. Ah oui. Allons-y. Deux membres de... Ah bah oui, exactement. Non mais là, c'est très très important. C'est le baiser, ça, chez l'ours. Oui, c'est le baiser chez l'ours. Ah, pardon, oui. Bon, c'est le baiser morsure, c'est le baiser violent, c'est la passion. En fait, donc ça, ce sont des ours. Oui, ce sont des ours. Mais ce que démontre très très bien Hélène Fischer, c'est qu'en fait, à l'état embryonnaire, tous ces sentiments, presque, si on peut dire, qui composent l'essence de l'amour humain... Qu'est-ce qui vous a passionné? Ils existent déjà. Qu'est-ce qui vous a passionné là-dedans? Je dirais la ressemblance quand même entre qui existe. Vous avez entre le sentiment, si vous pensez à votre nature et votre personnage, vous avez le sentiment que nous ressemblons. Mais oui, ça. Je dirais que nous, on a le mystère en plus, on a le ciel en plus, si on peut dire. Mais eux, ils ont déjà tout. Bien sûr. Ils sont très heureux. Très bien. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont vraiment fidèles? Est-ce que ça peut exister là? Oui, très peu. Quelques oiseaux, non, pas vraiment. Non, ils font semblant. Les rouges-gorges, on a fait des tests, ce qu'on appelle les tests de tolérance à la jalousie, les tests de tolérance au coquifiage, qui prouvent que la jalousie existe chez les animaux. Oui. Ah, génial. Voilà. Mais le rouge-gorge est très fidèle. Il y a un esprit de possession terrible chez les animaux. Les mamans avec les petits. Et chaque couple dure en général, enfin on a calculé ça d'après des statistiques, 4 ans. Et on a observé que justement cette mesure de 4 ans correspond justement à un pic de divorce en Finlande. L'envie de dévorer un peu son partenaire, ce qui est le cas là, de ce baiser d'ours, est une chose qui existe également chez l'homme, ça c'est certain. On a envie parfois de dévorer la femme qui est avec soi. Bien je ne sais pas si la femme a envie de dévorer son partenaire ou sa partenaire. L'énorme morceau que je représente parfois, mais cela dit... Je ne sais pas, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se fait un petit bisou, vous mordiez. Mais oui, vous l'avez vu. D'où la moustache. Oui, Patrice. Le livre qu'on rappelle de Marie-Hélène, car... Une image d'otarie. Ah, vite, on a vu des otaries hier. Bien sûr. Vivante, regardez là. Alors là, c'est l'otarie avec ça. Vivante, évidemment, vivante. Sur le plateau, je veux dire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... c'est le mal avec cette femelle. Non, la grande différence, justement, entre le... Vivant, harem. Hein. Le monde, oui. Mais entre entre le monde des animaux et le monde des humains, c'est que... Qu'est-ce qu'ils font là? Les femelles rentrent en chaleur et ont besoin immédiatement de trouver un partenaire. C'est un bébé, c'est le bébé qui tête sa maman. Non, pas du tout. Ils font des essais avec leur nageoire, au contraire. Non, tiens, c'est pas la nageoire, là, ce que je vois, je m'excuse. Pardonnez-moi, Christophe, on va pas rentrer dans les détails, mais non, je ne crois pas. Bon, c'est des adultes. Comme quoi les humains et les animaux se ressemblent. Mais oui, absolument. Bien sûr. Oui, ceci près que les femmes ont une disponibilité qui est 10 fois supérieure à celle des animaux. Voilà, je terminerai par là. C'est quand même une grande, grande différence. Ah. C'est bon à savoir, en tout cas. Oui, et puis la seconde grande différence sur laquelle elle met l'accent, c'est qu'il y a des possibilités amoureuses qui sont face à face, en vis-à-vis chez les hommes et chez les animaux. Ça ne se produit que chez les baleines, les marsouins et quelques singes. Marie-Hélène, vous resterez en coulisses, vous êtes gentille pour que nous finissions cette conversation. Oui, on veut absolument l'essayer. Voilà, le roman de Corbin, messieurs, après un printemps acide, un beau roman paru chez Robert Laffont. Merci Marie-Hélène d'être venue nous voir et à tout à l'heure probablement. Et le livre L'histoire naturelle de l'amour qui est aussi chez Robert Laffont. L'actualité de Laurence. Bon, l'actualité de Laurence, c'est une actualité passée, c'est ce que j'ai dit, mais enfin, c'est pas vraiment une actualité en ce qui vous concerne, c'est pas la sortie de quelque chose. Vous vivez en perpétuel voyage entre deux défilés. Parfois, il y a des moments un peu plus calmes que d'autres, j'imagine. C'est vrai que là, vous sortez des défilés de haute couture. Là, je viens de faire les défilés de haute couture. Là, il va y avoir un petit vide, mettons, point de vue défilé, parce que les défilés recommencent en Italie seulement fin février. Et au mois de mars, ici. Et donc, en attendant, c'est le prêt-à-porter. Est-ce que vous allez vous reposer ou est-ce que vous allez faire des photos, par exemple? Je vais, par exemple, faire des photos. Par exemple, dans des pays où il y a du soleil, sur des belles plages et tout ça. Par exemple. Donc, la vie est dure. Très, très dure. À quel âge avez-vous décidé d'un jour... Est-ce que vous l'avez décidé d'abord de devenir... D'être mannequin? Non, ça ne se décide pas. Alors, comment c'est arrivé? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se demandent comment on fait. Mais moi, je croyais qu'on se foutait de ma gueule quand on m'a demandé d'être mannequin, tout simplement. C'est parce que vous étiez pas regardé dans une glace, alors, par exemple. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il y a une énorme distance entre la demoiselle qui va à l'école tous les jours et qui est adolescente et qui regarde des magazines et elle croit que c'est impossible d'être mannequin. Et puis en fait. Alors comment ça vous est arrivé? Vous marchez dans la rue, quelqu'un vous a dit non, oh, toi petite fille, copine, je vais te faire des photos? Non, c'est l'histoire du vilain petit canard. Moi j'avais une copine qui était très jolie et qui a voulu être mannequin. Et, on voit des photos de vous pendant que vous parlez. J'étais en même temps qu'elle et puis on m'a demandé d'être mannequin aussi. Et en fait. Est-ce que vous aimez cette photo de vous? Elle est pas mal. Ouais. On va regarder d'autres, vous allez nous donner votre avis comme ça. On va regarder une autre.
Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup celle-ci. Bon. Enfin bon, et vous? Eh, pas mal, il y a un petit chapeau. Un petit chapeau, oui. Celle-ci? Un petit sourire, ça va. Est-ce qu'il y a des photos que vous n'aimez pas et qui sont... Ah bien sûr. Oui, souvent. Ah, oui. Enfin souvent, non, mais pas souvent. Il y a une chose, moi j'aime bien les photos en tant que photo, mais je ne sais pas si je me reconnais dedans. Il y a des photos que j'aime vraiment bien de moi, c'est celles que, où je me reconnais. Oui, celles où on vous reconnaît. Est-ce qu'on vous a fait poser dans des situations un peu folles, un peu dingues? Ah ben, ouais. Ça arrive? Genre, ouais, nu dans la neige. Là, j'étais sous une cascade à Fontainebleau, une fausse cascade, c'était en fait sous des escaliers, et il faisait assez froid, une petite chemise blanche qui, sous l'eau, devenait assez transparente. Et il y avait tous les pompiers et tout le monde qui était là pour regarder, comme par hasard. Ah, d'accord. Ouais. Ce qui m'est très, très à l'aise. Ouais, enfin, vous avez l'habitude quand même de Ah oui, non, mais il faut faire semblant d'être toute seule, c'est très dur. Ah, c'est ça le truc? C'est ça? Le truc, c'est d'oublier tout le monde. Et de se dire, je suis toute seule. Je suis toute seule. Qu'est-ce que je fous en chemise mouillée? Est-ce qu'il y a des situations que vous refuseriez en photo, j'entends, et en photo de mode? Est-ce qu'il y a des situations que vous refuseriez? Ah ben bien sûr, ouais. Genre? Ben, genre, des trucs un peu porno. Il y a des nus qui sont bien, et puis il y a des trucs C'est pas de la mode, les photos porno? Non, mais c'est des photos. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez de vos petites camarades qui refusent de mettre de la fourrure et qui ont monté? Mais j'en fais partie. Ah ben voilà, formidable alors. J'en fais partie. Je trouve qu'on peut pas promouvoir... des fourrures et des choses comme ça. Moi, c'est épidermique. Non, non, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il faudrait qu'un maximum de mannequins vous rejoignent pour que... Oui, et puis c'est surtout un cliché. La fourrure, c'est un emblème. Il y a pas mal dans l'association déjà. Ah ben ouais. Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Ouais. Patrice. On va peut-être poser des questions magnéto. Ben, immédiatement. Hein? Alors regardez Laurent, c'est une formule extrêmement moderne et sophistiquée. Vous regardez l'écran de télévision qui est situé là-bas et vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième personne pour vous poser une question, ne sachant pas évidemment, lorsqu'elles ont posé la question, que c'est à vous qu'elles s'adresseraient. La troisième. La troisième, c'est parti. Monsieur Frolic. Bonjour, je me demandais, qu'est-ce que vous faites pendant les nuits de pleine lune? Ah ouais, elle se demandait, ah ouais, la dame. Elle se demande, la dame, ce que vous faites pendant les nuits de pleine lune. Mais on pourra déjà demander à Pierre pendant que Laurent se réfléchit. Je sors mon grand couteau. Je m'apprête à le planter entre les épaules de quelqu'un. Ah, on dit que c'est une nuit où les crimes se multiplient. Ce qui n'a, pas été prouvé du tout. On dit aussi que ce sont Donc vous avouez que vous êtes un criminel. Oui. Non, la nuit de pleine lune, je veux dire, ce qui est on formidable. On dit aussi que ça aiguise les sens. C'est de naviguer en mer. Ah, fabuleux. C'est absolument extraordinaire. On voit les poissons, les dauphins, et tout ça. C'est super. Ouais, c'est très beau. C'est super. Ouais, vous avez déjà navigué en pleine mer un soir de pleine lune? Oui, j'ai traversé l'Atlantique en bateau à voile. Voilà. Bon. Donc, il n'y a absolument rien à lui proposer. Vous allez regarder une deuxième série de questions. Donc, rien de spécial hein, pendant les nuits de pleine lune. Oui, en fait. Nuit de pleine lune, eh ben, on dort un peu moins, on s'occupe. Non, sérieusement, est-ce que vous faites partie des femmes ou des jeunes femmes? On s'occupe, oui. L'expression bruxelloise. On s'occupe. Est-ce que vous faites partie des jeunes femmes ou des jeunes gens? Très sensible. Sensible à la nuit de pleine lune. Très, très sensible. C'est quand la nuit de pleine lune? Le 25-26 par là. Bah, c'est là, hein. Ah oui, c'est ce soir. C'est ce soir. Deuxième série de questions, un peu de calme. Allons-y, bonsoir. Rien du tout, bonsoir, regardez. 4, 5 ou 6, garçon, fille, garçon. Fille, garçon, garçon. Garçon, garçon, garçon. Eh bien, le 4, 5. 5. Allez. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la différence entre le courant alternatif et continu? Ah voilà une bonne question pour un mannequin. Je pense qu'on a posé la question à un spécialiste. On continue. Moi, j'adore mon électricien. Je comprends jamais ce qu'il me raconte. Ah, donc déjà. Alors, alternatif, c'est quand c'est alterné. Continu, c'est quand ça ne s'arrête pas. Continu. Ah, peut-être une réponse. Il y a une réponse? Non. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Eh bien, on n'est pas dans la mauvaise. Vous le savez, vous, Patrice? Non. Ben, non. Disons simplement que le courant continu, par exemple, c'est le courant fourni par une pile électrique, par exemple, c'est un courant alternatif. C'est le courant qui est fourni par l'électricité de France. À 50 périodes. Oh là là, 50 périodes et comme ça, négligemment, il dit 50 et, périodes. Et en dessous de 49,5, c'est-à-dire très très près de 50 périodes, par exemple, tous les signaux de chemin de fer s'arrêtent. Ils se passent tous au rouge, sans exception. Parce que si la périodicité du courant tombe en dessous de 49,5 ou 49,3, tac, tous les signaux passent au rouge, tout s'arrête sur le chemin de fer français. Pour éviter l'accident. Évidemment. Évidemment. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de réglage parfait. Évidemment. Autre question, bien sûr. Prune. Prune. 8 ou 9. 7, 8 ou 9. 9. 9. Bonjour. Dites-moi, quel est votre proverbe préféré? Votre quoi? Problème. Ah, votre proverbe préféré. J'ai compris votre problème préféré. Mon proverbe préféré... C'est froid en novembre, Noël en décembre. Ça pourrait être... tout est poison, rien n'est poison, tout est une question de mesure.
Oh, c'est joli. Ça, on ne connaissait pas ça. Ah, ah bah voilà, vous avez tout est poison. Poison. Rien n'est poison, tout est une question de mesure. Ah, c'est joli, oui. Joli coup, 2 points. 2 points, 2 points. Belgium, 10 points. OK. Troisième série de questions. Non, fait, on c'est un peu Saint Laurent quand même comme proverbe. Hein, cette... je ne sais pas d'où il vient, moi je l'ai entendu toute petite. C'est très joli. Ah, c'est très joli, oui. Une autre série de questions, non, non. Ben, si. On a fait 3. Et on a fait les 3. On en veut. Non, mais attendez. Alors, Patrice. Oui, parce que maintenant, on va penser pratiquement. Attends, moi, je voudrais quand même poser une ou deux questions à Laurence, parce qu'on ne l'a pas fait. Quelle est la partie du corps que vous préférez chez un homme, par exemple, lorsque vous regardez un homme? Non, sérieusement. Ça fait partie de mes questions. Non, mais ça peut être les pieds, les mains. Oui, oui. Voilà, les mains. Oui. Genre... Les mains, les fesses. Les mains, les fesses. OK. Oh, très bien. Mais c'est tout ce que je voulais savoir. Non, mais je sais pas, c'est intéressant d'avoir oui, la... Par exemple, Pierre, quand vous regardez une femme, il y a probablement des choses que vous regardez en premier, voilà. Oui. Les yeux, le nez, les oreilles, bon. Patrice. Alors, vous savez qu'il y a des DJ, vous savez ce que c'est les DJ? Non, c'est pardon. Les DJ. Vous connaissez les DJ? Disjockey, oui. Disjockey. Et vous savez que maintenant, ils arrivent à faire de la musique eux-mêmes, avec les disques qu'ils mettent sur les plateaux. C'est qu'avec plusieurs disques. Avec plusieurs disques. Ça s'appelle du... Ça s'appelle une technique de DJ, le DJ Alliance Technique. Alors DJ Alliance Technique, c'est un groupe, c'est eux, ils sont champions de France, vice-champions du monde. Mmh. Et je voudrais qu'ils nous fassent une démonstration, puis après on ira voir un petit peu comment alors, ils font. Une démonstration et après on pose quelques questions. Allons-y, c'est immédiat. Live, évidemment, est-ce que vous entendez? Bon, là, c'est une belle démonstration, Patrice, évidemment, c'est du direct live, hein, c'est étonnant. Hein. Ok. Applaudissements, mesdames, messieurs, applaudissements. Ok. Bravo, les gars. Bravo, formidable. Écrasé. Alors, expliquez-nous en 2 secondes ce qu'on a entendu. Évidemment, c'était du direct. Hein? Et donc vous passez d'un disque à l'autre comme ça et c'était très étonnant. Très intense. Ah, c'est intense, voilà. Non, il fonctionne. En une minute, oui, ils peuvent faire à peu près 100 de disques. Hein. Non, peut-être pas une centaine de disques, mais bon, pas on arrive loin. De faire beaucoup de disques. Pardon? Il faut mettre beaucoup de disques ou... Non, c'est pas le fait de mettre plusieurs disques, c'est le fait de faire un show plus ou moins structuré de façon à... Une technique pointue, quoi. Tous les deux, on travaille toujours ensemble. Est-ce que ça s'appelle comment la musique que vous produisez avec différentes musiques? Bah là, ce qu'on fait à la base, nous, c'est du rap, quoi. C'est du rap, et ils vont sortir un disque au mois de juin, hein, de rap. On peut essayer, nous. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que ça ressuscite le vinyle. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est impossible avec le CD de faire ça. Ah bah oui, ça c'est. Oui. Donc, comme base, non, ça, on peut avoir ça, des... Ladies and gentlemen, ce soir, un show un peu particulier en direct. Patrice et moi, nous sommes très très forts. Laurence s'est entraînée depuis 3-4 mois. Tous les jours. Et je pense qu'on va pouvoir, avec l'aide de Pierre. C'était ma spécialité. Travolta, ce soir. Oui, c'était ma spécialité. Alors, moi, j'ai commencé à vous montrer un petit truc d'abord. Vous nous montrez un petit coup. Puis vous suivez après, quoi, tout simplement. OK. Ah,
Bon, faut ouvrir le pote, hein. Non, le pote. Non, celui-là. Technique. Donnez un son. Vas-y. Attends, je vais vous mettre un peu. Doucement. Ah, la pub, on envoie la pub, elle part tout de suite. Nous, on s'entraîne, on applaudit en tout cas ces deux jeunes gens, bien évidemment. Et on s'entraîne avec Laurence et Patrice d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. C'est parti. Quand vous voulez. Mesdames, messieurs, nous voici de retour donc sur le centre de la maison. De la radio. Avec le professeur, il va. Il vient là comme toutes les semaines, nous expliquer ses expériences scientifiques. Vous aimez les sciences? Ah oui. Ça tombe mais bien. Mais là, on a l'impression d'être dans le bébé de show. Ah, bébé de show. Ça, c'est la première fois qu'on nous l'a dit, celle-là. C'est à cause de Pierre que vous dites ça? Non, mais on est là, juste là derrière. On va parler des alchimistes et des élixirs que fabriquaient, et fabriquent d'ailleurs encore quelquefois certains alchimistes. Et des élixirs qui guérissent. De jouvence? Qui font un petit peu de tout, alors qui permettent d'être plus beau, qui permettent de conserver la... Attends, on vous entend pas, jeunesse. Oui. Attends, pas besoin, là. Ah, nous, on vous entend pas, vous, et nous, on raisonne. Alors, de conserver la jeunesse, de conserver la beauté, de vivre aussi plus longtemps, bien sûr. Attends, on vous entend pas. Patrice, traduisez, s'il vous plaît, ce que dit Ivar Couder. Qui permet ce type de choses. Et alors, il y a une petite... Vous recommencez, Ivar, on n'a rien entendu ce que vous avez alors, dit. Alors, je recommence. Donc, on va parler des alchimistes... Des élixirs. Et des élixirs. Hein, d'ailleurs, parlez dans le micro quand même. Il y a un petit bouquin qui est sorti, qui s'appelle Le secret de l'éternelle jeunesse, qui a été fait par Marc Questin, qui lui-même, d'ailleurs, est alchimiste, et qui nous a préparé quelques petites potions qui sont ici. Et qui ont des résultats... Parfois immédiat. Mais qui donne quoi, genre? Alors, ça justement, là on va goûter différents élixirs très différents les uns des autres. Et on va dire d'abord avec quoi est-ce que c'est fabriqué. Et puis, quel est l'effet? Si mon mari gagne le séjour à Martinique, il emmène Laurent. Si c'est moi, j'emmène Patrice. Oui. Bah, vaut mieux que ce soit votre mari, madame. Alors, à signaler quand même que l'Armagnac a été inventé d'ailleurs par un alchimiste. Et depuis le 12e siècle, l'Armagnac a été inventé donc par des alchimistes. Ça agit déjà. Et depuis le 12e siècle, il paraît que les papes absorberaient régulièrement des élixirs pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Eh ben dis donc. Donc ça existe. Ah, et puis il y a des alchimistes. Alors c'est fait à base de quoi? De produits naturels? Alors essentiellement à base d'alcool, ouais. Qui sont à 37-40 degrés. Mais la particularité, c'est que grâce à des procédés spéciaux et secrets qu'ils ont, ils permettent d'abaisser sensiblement le degré alcoolique qui permet de les boire sans être totalement... Alors, par exemple, nous allons tester le numéro 1. Patrice, le numéro 1. C'est moi qui teste. Voilà. Alors, il faut en prendre combien? Mais ne montez pas votre verre, Patrice, je vous le fais à ma marocaine. Et essayez de sniffer dedans pour voir si vous reconnaissez peut-être la plante de renifler. Ça se prend par le nez? Non, on renifle. Il y a une plante. On goûte aussi celui-là, nous, avec Laurence? Vous pouvez bien sûr le goûter, tout à fait. Ah oui, ça sent le... Ah, on vous le dira après. Non, mais c'est résultat ça sent le quoi? Ça sent quelque chose. On va avoir 4 ans. Oui, ah oui, ça sent quelque chose. On va nous retrouver tout nus dehors en train de parler aux gens. Allez-y, goûtez. Je bois ça. Voilà, allez-y, buvez-le. Non, normalement, vous ne risquez rien. Normalement. Un bébé pour Pierrot. Alors, oui, un bébé, vraiment un bébé. Merci. Stop. Vous devriez pouvoir reconnaître une plante, une fleur peut-être là-dedans. Ah oui, il y a des réglisses? Non. Un gougout? Il y a de la rose. La rose. Et vous savez qu'on vous fait confiance quand même à Donf, parce que pour goûter ça sans savoir ce que c'est... Je les ai tous goûtés ce matin, pour l'instant ça va. Drôle de goût. C'est très parfumé. C'est à partir de rose. C'est de l'alcool de rose. Non, c'est un alcool qui est traité avec de la pétale de rose et avec quelques secrets. Hein. C'est un élixir, hein, c'est pas une boisson. Ah oui, il faut pas en boire. Ah bon. Beaucoup. Beaucoup, on peut en boire un petit verre. Patrice, c'est envoyé tout le godet. Non, celui-là fait quoi? La vertu, justement, c'est celui-là, c'est de conserver une beauté physique qui est si on en boit régulièrement de cet élixir oui. Ça permet de garder une beauté. Ensuite, ça marche au bout de combien de temps? Il faut en boire régulièrement, hein. Je veux dire, c'est pas un effet immédiat. Dans le meilleur des cas, ça conserve l'état dans lequel on est actuellement. On va voir sur Patrice, je sais pas. Donc, pour l'instant ça va. Patrice? Oui. Parfois les effets sont assez rapides. Là ça, c'est la preuve que ça monte très vite au cerveau. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, je trouve bien, mais... C'est pas, vous êtes sûr que ça conserve la beauté? Théoriquement. Laurence, vous en avez bu? L'estomac? Vous en avez bu? Alors tout, ça réagit. Si, vous en avez bu. Ça réagit différemment, évidemment, selon les gens, selon la corpulence, si on est homme ou femme. Regardez. Ah, ça agit. À tout hasard. Ah, Laurence, regardez, très joli. Très joli. Ah, c'est parfait. Le résultat n'est pas forcément garanti. Très joli. Et ça touche un peu la voix, on dirait, non? Ça, jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé. Je sais pas, ça fait drôle de trucs. Goûtez le numéro 3. On va passer au numéro 3. Mais le 2 aussi, mais le numéro 3, des effets qui...
sont théoriquement, alors là évidemment on pourra peut-être pas le contrôler tout à fait, sexuel. En direct et en plateau, il faudra nous dire ça demain matin peut-être. Sexuel. Alors ça théoriquement c'est un élixir à base... Je mets un double hein, Laurence. On va voir un peu, s'il vous plaît. Non, mais oh, les égoïstes, là, bon, c'est fini. Non, non, juste Laurence et moi, les autres, ça rien. Patrice. Pierre et Patrice, bien sûr. Sans Laurence, c'est vous que... Non, Pierre et Patrice. Non, allez, un double. Je m'en mets un peu à côté. Ah, Pierrot est très énervé. Est-ce que vous reconnaissez éventuellement la vanille? Ah, il y a de la vanille. Bah, attendez qu'elle le dise. C'est pas évident. Il y a de la vanille. Il n'y a pas que de la vanille. Ça sent le parfum, en fait. Ah, c'est pas bon. C'est pas meilleur. Bah, désolé. Hein. Bah, c'est pas meilleur, mais en tout cas, c'est aphrodisiaque. Très vanillé. Ça, c'est aphrodisiaque. Ah. Donc, il faut peut-être pas forcément tout mélanger en même temps. La beauté, l'aphrodisiaque. Ah, bah, aphrodisiaque est beau. Là, on a rajeuni. Pas mauvais, moi, je trouve ça. Non, on va vous en mettre une petite viole. Le petit dernier que vous connaissez, peut-être. Oui, pardon. Ça, c'est... Au hasard. Ah, celui-là, ça, c'est une analyse d'urine d'Iva. Oui. Alors, vous rigolez, mais un alchimiste a essayé de découvrir justement le secret de la longévité en essayant de faire un élixir à partir de ses urines. Ça, c'est vrai. Ça part. Ouais, mais il n'y est pas arrivé. Il a arrêté. C'est pas ça. Non, ça, je vous rassure. C'est pas ça. Rien qu'à l'odeur, j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un élixir à base de bois bandé. Là aussi. Là, également, clac. Voilà, là, ça permet quand même un certain nombre de choses. Bois bandé, ça envoie. Alors, moi, je vais en prendre celui-là et celui-là, mais on en verra tout à l'heure. Très bien. Et dans les verts et bleus, non, il n'y a rien de... Donc ça existe vraiment. Ça existe. Et donc... Il y a les recettes dans ce bouquin. Alors, il y a en partie des recettes, mais surtout, ils essayent de les commercialiser. Allez, on va passer très très vite. On va rejoindre Hervétis, qui est à côté de vous. Où est-il? Qui nous a amené de l'azote. Bonsoir Hervétis. Where do you come from? Qui est journaliste et auteur d'un bouquin qui s'appelle Les secrets de la cuisine. Bonjour Hervétis. Il est auteur d'un bouquin qui s'appelle Les secrets de la casserole. J'ai pas vu de bois dans le thème. Alors, Les secrets de la casserole, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est expliquer toutes les expériences chimiques qu'il y a dans sa cuisine. Alors là, pour la première fois à la télé, on va faire des glaces. De la glace, on va mettre Hervétis. Quel parfum vous voulez? Laurence, qu'est-ce qu'on voulait mettre comme parfum? Laurence, quel parfum? Rose. Voilà, on va en servir. Et non, on ne parle pas tous en même temps, Yvain. Sinon, il y a coup de boule. Voilà. Alors, Hervétis. Je vous fais une grosse boule. Hein. Alors, voilà, vous faites. Eh bien, un parfum rose. Voilà, je commence par faire la crème. Et puis. C'est la fraise. Regardez, un peu d'azote liquide. Après, c'est très facile, oui. Alors, l'azote liquide, c'est de l'air. Est-ce que quelqu'un peut touiller, là? Oui, allez-y. Doucement, Patrice. Il faudra touiller. Ne touchez pas ou pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, touillez. De l'azote liquide, c'est à moins. Qui est à moins 183 degrés. Oui. Voilà. Allez-y. Vous ne touchez pas au plat, voilà, Patrice. Ça refroidit très vite. Allez-y, Patrice. Et arrêtez-vous. Ça mufle. Hein. Très bien. Alors, il est immangeable et maintenant parce qu'il est trop fort. Alors, on ne touche pas immédiatement, mais éventuellement, on pourra en mettre sur un. Vous faites des glaces avec de l'azote liquide? Tout à fait. C'est bon? Attendez, on va demander à Monsieur Tiss de nous expliquer exactement le processus. Qu'est-ce que vous mettez, monsieur, après avoir... Attends, affreux. Et on peut mettre le doigt dedans ou pas? Ah non. Arrêtez Laurence. Non mais pour faire de la glace, ce que vous voulez faire, c'est refroidir et faire des bulles qui vont faire une structure assez légère. Alors l'azote liquide, il a toutes les vertus, c'est-à-dire que comme il refroidit très très vite parce qu'il a moins 200 degrés, la glace se fait devant vous en temps réel. Et en plus, ça s'évapore parce que c'est un... Mettez votre main... Ah, vous avez une alliance? Non. Ben, on peut mettre doucement. Vous voyez, c'est moins 200 degrés. Ah mais ouvrez les doigts. Ah C'est vrai? Non. Enfin, ça fait bizarre. Il ne faut pas faire une alliance, sinon ça risque de brûler. J'ai pas d'alliance. Bon, ben très bien, alors ça va. J'ai pas d'alliance. Attendez. Laissez-le couler, ne le gardez pas dans la main, écartez les doigts. Voilà. Mais ça fume un peu. Ça fait rien. Ça brûle haute, ça brûle. C'est froid. J'ai mal. Les bobos. Allez, Laurence, azote liquide. Allez, mets pas de bague. Vite. Oh là là, on va. Ouvrez les doigts, On dirait de la neige. Ah, c'est génial. Merci Hervétis. Si on veut tout savoir, bien évidemment, il y a Les secrets de la casserole, paru aux éditions Belin, signé donc par Hervétis. Voilà le livre. Vite, le jeu, la réponse en changeant. Hervétis, on va vous rejoindre tout à l'heure pour faire un petit peu de sorbet. Laurence, allons-y là-bas. Vite, on va se mettre en place. Merci, professeur. Vite. Une grosse bêtise. Mon premier est un champion olympique de sabre. Mon deuxième est plus malin qu'on ne pourrait le penser et il est champion de pong. Mon troisième est un champion français de tennis exceptionnel. Mon quatrième suit Marie pour courir le 100 mètres en verlan. Voilà. Et mon cinquième est un petit homme vert qui garde les buts. Mon tout est une réponse en chanson, extraite d'un opéra. Avez-vous une idée, Laurence? Aucune.
Aucune. J'ai pu écouter. Très bien. Donc alors, quelle est votre idée? Aucune. D'accord, nous allons prendre une première proposition. Votre prénom, bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, on Sylvie Marine Desmet de Strasbourg. Ok Marine, on vous copie. 5 sur 5, Pierre, vous entendez Marine? Très bien. Laurence, la Marine, nous vous écoutons. De Narine. Alors je propose Donald. L'amour est un oiseau rebelle. Donald. L'amour est un oiseau rebelle. Non, attendez, un oiseau rebelle pourquoi avez-vous dit Donald, Maryse, Marine? J'ai pas dit Donald. Non. Juste avant, c'est pas grave. Alors, elle a pas dit l'amour Donald. Est un oiseau rebelle, propose-t-elle pourquoi? Pourquoi? Alors, l'amour pour Jean-François Lamour, le champion olympique, ok. Oui, mon deuxième est plus malin qu'on ne pourrait le penser, il est champion de Pong. Là, je pense que c'est éteint. Comment? Éteint. Éteint, d'accord. Secret mon éteint, troisième. Éteint. Oh, mais je rêve. Attendez, oui. Patrice. Mais non, faut mais elle dit éteint. Mais non, moi, je voudrais savoir comment elle a pu trouver tout ça. Mon troisième est un champion français de tennis. Noah. Voilà. Mon quatrième suit Marie pour courir le 100 mètres en verlan. C'est Rose à l'envers, Marie-Rose. Ce qui donne. Oh. Ah non, je sais pas, c'est vous qui avez trouvé la réponse. Hein. Les ors. Vite, vite. Et mon cinquième est un petit homme vert qui garde les buts. Alors, je pense que c'est le gardien de but de l'Olympique de Saint-Étienne qui s'appelle Belle. Et son prénom? Oh, Joseph Antoine. Ah, il y a monsieur à côté qui souffle, là. D'accord. Mon tour est une réponse en chanson extraite d'un opéra. L'amour est un oiseau rebelle, vous dites. Confirmation immédiatement en 20 secondes, car il faut qu'on se reprenne ensuite avec Charlie Lévy. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle a gagné, Marine? Elle a gagné une croisière fluviale Rive de France et elle disposera d'une péniche pour 4 personnes qui se conduisent sans permis. Vous pourrez choisir la rivière et la région de votre choix. Au revoir. Et pour faire des balades le long des canaux, 2 vélos tout-terrain US Line de Vélo 2000. À l'occasion du festival de bande dessinée qui se tient au Golem, on lui offre aussi plein de bandes dessinées, dont les Pliniclés, Black et Mortimer. Que nous voyons immédiatement à l'image de toute cette collection de bandes dessinées. Bravo. C'est super. Au revoir Marine, on vous embrasse. Bravo pour elle. La réponse en chanson immédiatement. Si jamais nous ne nous retrouvons pas, je voudrais dire que Laurence travaille à l'agence Karine, ça j'avais oublié de le dire, qui a été absolument charmante et délicieuse. Merci mille fois d'être venue parmi nous. Vous êtes très sympathique. Portez-vous bien. Demain, Victor Lanou, passez une bonne soirée. Et immédiatement, la réponse en chanson avec la confirmation. Charlie et Lulu. Laurence, nous vous embrassons. Merci Pierre. Bye bye. Au revoir.